Concernant l'art, euh, tu, tu, tu nous dis qu'il est parfois, euh, souvent, il a, ça a été le cas notamment avec les biotechnologies, mais ça peut être le cas avec les nano et bien d'autres technologies, les neurosciences aussi, euh, révélateur de pratiques scientifiques largement ignorées, j'entends, par le grand public. Oui, oui, oui. J'en parle dans le livre à part... à... sur les questions des biotechnologies utilisées par les artistes, mais effectivement, on l'a vu pour un tas d'autres choses. Et là, j'en parle à la période moderne, puisqu'il faut toujours se rappeler que à la Renaissance et post-Renaissance. Euh, les artistes étaient aussi des scientifiques. Comment dire, le, le domaine en train de se construire euh, se fait autant par dans, dans, dans différentes disciplines. Et par exemple, l'exemple de Léonard de Vinci. Extrêmement connu, qui fait les premières anatomies complètes, qui fait d'une perspective différente de celle d'Alberti, qui construit des machines de guerre, il construit des automates lui aussi. Est, il est très connu, mais ça n'est pas le seul. C'est en fait assez habituel à l'époque. Aussi parce que les artistes ne sont pas seulement des peintres ou des sculpteurs ils font aussi tout ce qui va faire partie des fêtes de cours, des joutes, etc. Et donc là, on construit des machineries de théâtre, etc il, il s'occupe de tout ça. donc, dans la période euh, moderne contemporaine, euh, les choses sont très différentes puisque les disciplines sont très séparées, on est extrêmement spécialisé en réalité. et euh, du coup, euh, euh, non seulement il y a une question de compréhension des techniques, mais il y a aussi une, une question de, effectivement disolement de, 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 des pratiques. Et euh, je pensais euh, notamment en 2000, de 1999, quand Edouard Kac va euh, commencer à faire des œuvres qui utilisent euh, les transformations biotechnologiques du vivant euh, qui se font dans les laboratoires, qu'il va essayer de les rendre, qu'il va les rendre publiques ou essayer de les rendre publiques puisque son lapin n'est jamais sorti de son laboratoire, le projet n'a jamais tout à fait abouti. Et effectivement, là, on a. Euh, comment dire, une mise en lumière, c'est le cas de le dire, euh, de, euh, de pratiques qui sont très largement méconnues. Et il faut se rappeler que c'est la période des OGM. Donc, ce n'est pas seulement rendre visible des pratiques scientifiques, c'est aussi rendre visible des politiques et des économies. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que parfois, des artistes, notamment comme Eduardo Katz, peuvent créer le débat sans nécessairement y participer, juste avec une œuvre qui révèle. Oui. Euh, D'où cette, cette phrase euh, dans le premier tiers, je crois, du, du livre euh, Le pire serait de laisser la science au seul scientifique. Oui, je dis ça et, et j'y crois très profondément. Euh, parce que la science est évidemment créatrice, elle est créatrice tout court et elle est créatrice de monde elle est, elle est créatrice de notre environnement, de notre culture. Elle est aujourd'hui un tenant extrêmement fort. La question, c'est qu'il faut aussi que des philosophes, des artistes, des penseurs de tous les bords s'emparent de ça, parce qu'il manque une dimension politique à la science. La dimension économique, on peut très bien la voir en filigrane ou de façon très visible, mais la dimension politique, elle, doit, elle appartient à tout le monde. Et il n'y a aucune raison que, de ce point de vue-là, et d'autres d'ailleurs, la science n'appartienne qu'aux scientifiques. Je sais qu'ils n'aiment pas du tout qu'on dise ça, mais ça me semble extrêmement important. Le monde scientifique s'ouvre malgré tout avec de plus en plus de résidences dans les, dans les laboratoires jusqu'au CERN, par exemple. Oui, tout à fait. Mais en même temps, il râle beaucoup quand des artistes qui font des biotechnologies emploient des techniques qu'eux-mêmes ne peuvent pas ou peuvent moins parce que les comités d'éthique les en empêchent. Oui. <laughs> C'est Ce qui... <laughs> toujours un débat assez savoureux. En, en termes de, de, de fiction, parce qu'il est beaucoup question euh, ici de, de magie, de technologie, de science et de fiction, tu avances comme ça avec des, des dualités. Euh, tu parles aussi chez Sherlock Holmes d'une forme d'intelligence froide qui peut laisser présager la précision calculatoire, soit qui utilise ces mots, euh, des machines qui l'anticipent, de traitement de l'information, d'une mémoire, etc., oui, 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 il faut se souvenir qu'à la même époque, il y a Dave Lovelace, Byron, Charles Babbage, qui sont en fait les prémices de l'informatique. Il y a cette idée un peu diffuse d'une pensée une, avec une logique telle elle en devient machinique parce que, dans sa précision, elle a quelque chose de, de mécanique. Et euh, oui, euh, comment Sherlock Holmes est, est, est ce type de, de, a ce type de précision. Mais en fait, c'est encore autre chose qui se passe chez Sherlock Holmes. C'est qu'il a une capacité à lire les signes. C'est un espèce de su, super sémiologue. Il lit les signes et c'est parce qu'il voit des choses que les autres ne voient pas euh, qu'il peut euh, recomposer, faire des pro, prophéties euh, à l'envers. Donc, il, il comprend ce qui s'est passé dans un lieu en voyant tous les éléments qui ont été laissés sur place. Euh, et euh, aujourd'hui, on pourrait considérer que c'est une forme d'autisme, parce qu'il a aussi d'autres problèmes. Sherlock Holmes, c'est quand même un grand caractériel et, euh, et il est addict à la cocaïne. En fait, il est totalement inadapté à la vie avec les autres. Et ce que dit Watson quand il dit qu'il pense comme une machine, c'est pas seulement sa précision euh, de réflexion. Mais c'est aussi son manque d'émotion. Donc, et ça, cette figure de Sherlock Holmes, quand on pense euh, à qu'est-ce que c'est qu'une qu créature pensante créée par les humains, ça, ça nous donne des éléments pour y réfléchir. À ce que, parce que lui, c'est un humain de fait. Oui, c'est. C'est un humain qui pense comme une machine. Voilà, d'où le terme d'intelligence froide. Mmh. Alors quelque chose d'apparemment plus léger, euh, mais pour soulever des questions qui le sont beaucoup moins, notamment une qui est sous-jacente et qui revient régulièrement, qui est la question du genre que tu abordes notamment au travers d'une série de télévision euh, dont je me souviens très bien, euh, celle de Wonder Woman que on pourrait euh, en te lisant qualifier de, de super héroïne SM. <laughs> euh, oui. Alors pourquoi la question du genre et pourquoi SM aussi Bon alors. Euh, à vrai dire, dans le livre, je ne parle pas vraiment de la série télévisée, même si euh, oui. ça en découle, puisque moi je parle de, de, du comics. Hein. Oui. Et euh, en fait, j'arrive à Wonder Woman par un biais un peu étrange. Je travaille en fait sur le polygraphe, qui est euh, le détecteur de mensonges, autrement dit. Et euh, je travaille sur le polygraphe et je tombe sur un personnage qui s'appelle Marston, le polygraphe fonctionnant de la façon suivante. Il s'agit d'une machine qui... Euh, L'idée, c'est que... Euh, euh, on, peut avoir, euh, on peut savoir si une personne dit la vérité ou ment en mesurant un système euh, psychophysiologique, c'est-à-dire de réaction à un, un certain nombre de questions données. Et euh, parmi les systèmes de mesure, il y a euh, euh, une mesure qui a été euh, découverte par un gars qui s'appelle Marston, et donc qui est un psychologue. Et qui est une des sources de la création du polygraphe. Or, je découvre que Marston est aussi l'inventeur de Wonder Woman. Et je me dis mais alors quel rapport entre le polygraphe et Wonder Woman Et alors là, quand on commence à s'intéresser au personnage, les choses sont très intéressantes parce que Wonder Woman est une Amazone. Elle vient d'un endroit sans sans mâle où les mâles sont maltraités. Et, euh, et donc elle arrive sur la planète Terre et c'est à l'époque la seule héroïne hum, féminine. Elle est entourée euh, de super-héros, des comics bien machos. Euh, et euh, l'autre truc, c'est qu'elle a un lasso. Et son lasso, c'est un lasso de vérité. Et en fait, le lasso c'est ça. C'est un espèce de polygraphe, hein, puisque avec le lasso, elle peut euh, comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre et l'obliger à aller dans son sens à elle. Et évidemment, elle passe son temps attachée. Donc, quand on voit les, 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 les comics, c'est absolument invraisemblable. Elle, tout le monde est attaché tout le temps. On est dans des, et de, de, dans, des dans des représentations euh, du bandage. Euh, classique aujourd'hui très très connu à l'époque ça devait l'être beaucoup moins alors justement pour le polygraphe ce qui est intéressant aussi ce que tu mentionnes c'est que selon les cultures euh, on a souvent euh, une représentation du polygraphe au travers du cinéma américain CIA, BA et euh, qui, qui vont s'en servir euh, pour déceler la vérité alors que tu nous rappelles que en France notamment ça a strictement aucune valeur ah ben ça n'a pas de valeur et ça n'est pas utilisé parce que on considère non seulement que c'est de la fausse science mais qu'en plus, c'est pas du tout fiable. En réalité, euh, euh, c'est un petit peu comme s'imaginer qu'en torturant Colcan, on va avoir euh, la vérité. On sait bien que ça ne marche pas. On va avoir tout ce qu'on veut. Tout ce qu'on veut, on l'aura. Mais sûrement pas la vérité. Euh, ou si la vérité est dedans, c'est parmi tout le reste. Euh, le polygraphe, c'est un peu pareil. Des ré réactions physiologiques, on sait qu'on en a notamment. Il y a des, des psychologues euh, qui sont des spécialistes de la lecture du visage, des gestes que l'on ne peut retenir, euh, de, de, de la précision. Euh, bon, ça, d'accord. Et en même temps, on sait très bien que quand on est dans une situation d'interrogatoire, on est déjà dans une situation qui, émotionnellement euh, et du point de vue des réactions physiologiques, n'est pas une situation normale. Même en prenant ça en compte, ça ne marche pas.